Telema, esika yo zali, pona mboka na yo. Mwana Kongo Telema. Telema, esika yo zali, pona mboka na yo. Tout le monde a vécu la façon dont il s'est battu pour la vérité. Je crois que c'est le seul grand souvenir que nous gardons de lui. Vous connaissez comme tout le monde le cardinal Etsu. Est-ce que c'est une personnalité que vous avez l'occasion de rencontrer, de connaître dans votre vie? Disons, j'ai eu à le connaître d'abord du côté famille, parce que c'est l'oncle d'une nièce, c'est-à-dire que c'est un cousin par alliance, et puis dans son ministère, voilà. Alors, quelle trace aura laissé le cardinal, selon vous, dans l'histoire du Congo, de notre pays? Je crois qu'il faut noter les côtés bonté et rigueur. En tout cas, ce sont les deux points que je souligne dans la vie du cardinal. Vous venez d'assister à la messe en la mémoire du cardinal Etsu. C'est une grande perte pour le Congo aujourd'hui. Oui, je crois que l'éminence a beaucoup œuvré pour la relance du Congo et a toujours soutenu son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, le Congo perd un grand homme. C'est la deuxième fois en un siècle. Je crois que c'est beaucoup. Le cardinal Malula d'abord. Le cardinal Etchaou aujourd'hui, je crois qu'il faut prier pour que le Seigneur donne à un autre homme de grandes valeurs comme le deux cardinaux que nous avons eu, que le Congo a eu. C'est quelqu'un que vous avez eu l'occasion de rencontrer ces dernières années? Oui, je l'ai connu durant ces deux années de maladie. Pendant qu'il était à Bruxelles, on a eu souvent l'occasion de se voir. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté son 7e anniversaire avec Christo Bolingo. Donc c'est quelqu'un que je connaissais beaucoup et que j'estimais beaucoup. C'est une grande perte, en effet. Quels souvenirs garderez-vous de lui? D'un homme très sage, très simple, qui n'aimait pas trop le protocole. Et je crois que c'est un exemple qu'on devrait tous suivre. Merci, Madame la Ministre. Docteur, bonjour. Vous êtes là, nous sommes tous là d'ailleurs, à la cathédrale Saint-Michel, où a eu lieu une messe en la mémoire du cardinal Etsu. C'était important pour vous d'assister à cette célébration? Oui, mais c'est important, hein. D'abord pour le rôle que le cardinal a joué chez nous, au sein de l'Église, au sein de notre peuple, mais aussi pour ce qu'il a représenté comme personnalité, et ensuite pour ce qu'il a dit vers la fin de sa vie. C'est un homme qui meurt là avec une vérité cruciale et personne ne sait plus le contredire. Quelle est cette vérité justement dont vous faites allusion? Ah oui, mais on va tout droit au but. Hein. Le cardinal a dénoncé les irrégularités, la fraude, la tricherie, hein, et les faux résultats au niveau de la mascarade électorale. Hein. C'est un peu... et ils ont essayé de le contredire et il a réaffirmé en citant même des sources qui allaient au-delà des sources chrétiennes. Il a cité beaucoup de sources vérifiables et crédibles. Et ça, il a réaffirmé ça ici à l'étranger et personne n'a su le contredire après. Madame Kazavou, bonjour. C'est important pour vous d'assister aujourd'hui à cette messe d'action de grâce en mémoire du cardinal Etsu. Mais oui, c'est un devoir. Et je pense même qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de porter le patrimoine qu'il nous a laissé. Autrement dit, la vérité du cardinal doit maintenant devenir notre propre vérité et c'est notre bâton de pèlerin désormais.
Quelle était cette vérité justement dont beaucoup d'entre vous évoquent? Mais écoutez, le cardinal a bien dit que notre pays est en danger. Et je pense que le constat aujourd'hui est établi, le pays est en danger, les élections étaient de fausses élections et donc chacun doit prendre toute la mesure de la conscience que nous devons désormais avoir pour défendre notre pays. On a trompé le peuple congolais et le cardinal en est mort. Hein. Et nous sommes responsables et nous devons aujourd'hui sauver sa mémoire en défendant sa vérité. Vous pensez que ces élections tronquées ou truquées constituent... un des facteurs qui ont causé la mort du cardinal? Le cardinal est mort, étouffé par la vérité qu'il a déclarée au monde entier. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de défendre notre pays et sa mémoire, sans quoi nous allons définitivement perdre notre pays. Donc, le cardinal nous a bien dit que nous devions absolument nous réapproprier le destin national de la République démocratique du Congo. Et nous devons tous le faire. Alors quel regard portez-vous sur la situation actuelle justement en RDC? Mais vous voyez bien qu'il y a l'impasse, vous voyez bien que les intérêts égoïstes priment sur l'intérêt supérieur de la nation. Et donc je crois que chacun doit aujourd'hui comprendre que nous ne devons plus prendre pour argent comptant toutes ces sympathies artificielles qu'on nous apporte, mais en fait pour mieux écraser le peuple congolais. Aujourd'hui, nous devons tous relever la dignité du peuple congolais et ça passe par la vérité du cardinal qui doit désormais être notre vérité à tous. Autrement dit, la vraie vérité. Vous ne voulez pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette affaire? Ici, écoutez, ce n'est pas une conférence de presse. Hein. Nous sommes venus pleurer un papa, nous sommes venus pleurer notre cardinal. Et je vous dis simplement que nous devons être préoccupés par le message qu'il nous a laissé. Et ce message est très clair. Il nous a dit que les élections ont été faussées. Il nous a dit qu'on n'a pas respecté le peuple congolais. Il a interpellé la communauté internationale. Donc nous sommes ici, en terre internationale. Et donc nous devons désormais savoir avec qui on traite et qu'est-ce qu'on dit. Madame Gazavou, les 5 chantiers du président Kabila, c'est une utopie selon vous? Écoutez, ici je pleure mon père, c'est-à-dire le cardinal Etchaou. Et je préfère me remémorer le message qu'il nous laisse. Ne me demandez pas de parler d'autres personnes. Je suis ici pour pleurer mon père, le cardinal, et je vais défendre son patrimoine, l'héritage qu'il nous a laissé. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.